entre le clocher de l'église et le rond-point du SDIS. Cela a coûté 3 400 000 euros, j'arrondis, hors taxe. Et c'est avec la région, représentée ici par son vice-président, M. Patrice Boulevard, ci-devant collègue de la CIREST, représentant Mme Huguette Bello, présidente de la région, que nous allons inaugurer ces 385 mètres, en sachant que c'est ce centre-ville qui a coûté 3,4 millions. L'Europe a mis 1,932 millions. La région 276 000 et la commune 1,2 million d'euros. Et ce centre-ville, ce petit bout de chemin-là, nous a permis de redonner de la lumière au centre-ville. Mais ce que vous ne voyez pas et qui a coûté le plus cher, c'est l'enfouissement de tous les réseaux. C'est-à-dire que demain, il n'y aura plus de lignes électriques qui passeront sur le centre-ville. Tout sera enfoui et ainsi nous serons protégés des coups de vent pendant les cyclones. Mais plus que cela encore, nous avons fait une redéfinition de l'élimination des eaux de pluie. Et tout le centre-ville, chemin Franck, mais aussi au SDIS là-bas, était sous des risques d'inondation considérables. Aujourd'hui, ce problème, il est réglé. Voilà, mes amis, c'est un grand jour. 3 années de travail. Merci. Ici, avoir une pensée pour mon prédécesseur, Harry Payette, qui a eu cette idée de placette du 20 décembre. Et nous avons souhaité ne pas l'effacer et faire qu'au centre-ville, eh bien, cette référence à notre histoire puisse être marquée. Sensible à votre mobilisation à toutes et à tous pour saluer cet événement. Je parle d'événement puisqu'inaugurer un hôtel de ville rénové, ce n'est pas un moment anodin pour un préfet, ça l'est encore moins pour un maire dont le cœur de ville est aujourd'hui transformé. Juste quelques mots pour vous remercier et pour vous dire que c'est vraiment un plaisir, une grande joie. En tant que représentant de l'État et en ma qualité de partenaire financier aux côtés de la région, aux côtés de la CIREST, aux côtés de l'Union européenne, le panneau que vous avez installé nous rappelle effectivement cette mobilisation collective pour permettre de finaliser ce grand projet, ce projet important. Pourquoi il est important ? Puisque ce projet il va finalement permettre de changer en bien le quotidien de tous les habitants de Sainte-Rose. Et c'est bien notre premier objectif, répondre aux aspirations légitimes que l'ensemble de nos concitoyens portent pour qu'on puisse faire en sorte que leur quotidien soit le plus agréable, le plus facile, je dirais possible. Je crois que les deux équipements que nous allons inaugurer aujourd'hui y concourent largement. Stop, attention.
Là, là, on voit le professionnel. C'est les élus qui me l'ont appris. Rénovation thermique, acoustique et autres de l'hôtel de ville, qui était vieux d'une vieille de 70 ans. Merci beaucoup. Bravo.